Et yop tout le monde, c'est Chrono. Aujourd'hui on se retrouve sur Maze, un jeu qui a été édité par Finish Line Game sur Unreal Engine 4, donc une machine à gaz. Donc ce jeu propose un thème fantastique. Le jeu est sorti le 1er du 12 2016, donc le 1er décembre. Et c'est un jeu de puzzle. Donc pour avancer dans le jeu, il va falloir récolter un tas de pièces et puis les placer au bon endroit. Donc apparemment, il y aurait des maïs mutants, donc on va voir ça ensemble. Donc graphiquement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, je suis au maximum, hein, maximum graphique. On ne peut pas faire mieux, mais je trouve que c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être très linéaire quand même. Bon, après on verra, hein, c'est un petit jeu d'aventure, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc on peut courir, sauter, on ne peut pas, on peut se baisser avec le C, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Pour l'instant, c'est les seules actions que je peux faire. Donc allez, on va déjà sortir du maïs. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Donc à voir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ça? Là, il y a une porte, là. Ah ouais, alors le jeu n'est pas en français, il est en anglais. Bon. Voilà, c'est comme ça. Ah, d'accord. Donc là, il va falloir trouver des choses. Donc, je pense qu'il va falloir mettre une main et d'autres choses. Je sais pas, c'est peut-être un couvercle de... Je sais pas ce que c'est. On verra. On va chercher tout ça, petit à petit. Je pense qu'on découvrira des choses. Donc, il est quand même plutôt fluide comme jeu, ça va. Le chargement, par contre, lui, était un peu long. Mais bon, une fois que c'est chargé, ça va, ça passe tout seul. Alors... Click left mouse button pour prendre les thèmes. Donc c'est un icône. Donc c'est une galette de maïs. Ah non, c'est un muffin. Ok, un camé USB adet ou inventory. Hop, d'accord. On va voir. Alors ça fait bizarre d'avoir un bureau au milieu de milieu des comment s'appelle ça maintenant, du maïs. Et là-bas, j'ai l'impression que c'est un donut géant, ce truc-là. Donc, j'ai baissé au maximum hein, la musique. Hein. Désolé si c'est un peu fort. Donc là, si on passe par là, on va à cette genre d'éolienne. Mais on ne peut pas passer. D'accord. On va faire un tour à la maison, là, pour voir. Alors, pour un nounours, je suis quand même assez grand. Hein. Alors, place, icône... Ah, porte bloquée, d'accord, va falloir trouver quelque chose je pense. A locket door, ok. L'ange Oliver. C'est un poulailler. On est dans un poulailler. Ah, la clé de la maison. Cool. On va la ranger. Il n'y a pas de neuf, non? Bah il n'y a plus de poule en même temps. On peut pas refermer la porte, non. Alors on va faire le tour, hein. On va faire le tour pour voir si on trouve des trucs intéressants. C'est à un clou. Alors il me faudrait sûrement un marteau pour l'enlever. Ou ce caillou. Là on ne pourra pas, faut passer devant. Voilà, ok. Bon, il y a quelques petits lags hein, quand même. Faut dire ce qui est. Alors, on peut pas ouvrir les lumières, les allumer. Non. Ok. C'est quoi ça? C'est une facture. Description, bito, c'est quoi? Il y en a pour combien là-dedans? 2 500 $? Ah, alors un folio. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment on l'ouvre? Ah, c'est bordel là-dedans quand même. Ah, j'ai cru voir quelque chose. Ah. Alors. De l'huile de... C'est quoi ça? J'ai ramassé quoi là? Ah ben, je ne l'ai plus. Je l'ai en main. Rancing Corn Oil. De l'huile de... comment ça s'appelle maintenant? De maïs.
Il faut que je mette quelque chose là-dedans. Et si je mettais un peu d'huile? Non. Le muffin non plus. Donc non, pour l'instant on pourra rien faire. Ah, une cagette. Ça par contre on va pouvoir mettre quelque chose dedans. Un bouchon. Cool. Ok, the thing a new plugin. On peut ouvrir le bouchon. On peut allumer quelque chose non plus. Pourquoi? Il y a quoi? Il y a une fuite ou... Ah, il y a peut-être quelque chose à prendre dans le garden là. Attendez, je vais me baisser. Il y a une trappe, on dirait. Ah ben oui, il y a une trappe là. Et alors, ça m'a ouvert quoi? Ça m'a ouvert quelque chose, non? Ah, un passage secret, les gens. J'ai trouvé un passage secret. Allez. Ah ben voilà, il y a de la bouffe. A fuse box, missing a fuse. D'accord, donc il faut encore des fusibles. La musique elle est chelou quand même. D'accord, ça donne sur l'extérieur. Alors ici il faut mettre la cagette. D'accord, on met la cagette ici. Alors il y a un truc à faire tomber. Je sais pas, mais cette valise, voilà quoi. On va déjà placer ce que je viens de ramasser là. Ah, c'est ça que j'ai ramassé. Donc c'est pas du tout ça. Là il faut que je cherche le clou là. Ah ouais, d'accord, je peux pas. Il faut que je tape de l'extérieur. Non, même pas. Ah, j'ai pu le récupérer, c'est bon. Ok. Activation de la manivelle, du moins du levier. Et la lumière fut. Ok. Donc attendez, alors le fait d'avoir allumé, qu'est-ce que ça m'a fait? Ah, la radio. Ah, c'est ça. Ok, on a trouvé déjà un premier élément à placer. Bah, j'avais raison, il y a une console. Batterie. Batterie. Oh merde. La batterie, attention, la batterie. Alors, cette lampe quand même, elle est intrigante. Hein. Regardez la couleur qu'elle a. Et elle flash, c'est le seul truc qui flash à fond dans la pièce, quoi. Ah, on n'était pas là, donc ça s'est ouvert. Ah bah, c'est cool. Du coup, les cartons se sont enlevés, donc on peut faire le tour maintenant d'ici. D'accord, petit à petit, ça s'ouvre un peu à gauche et à droite. Ok, bon bah c'est bien. Bon, on va déjà faire en hauteur ce qu'il y a là-haut, et après on redescend. Ok, donc là, on a quoi? Un diagramme. Là, on a un manche à balai, un balai du moins. Waouh, passionnant. Il y a peut-être un truc à balayer. Ça a rien ça? Non. Ah. On a ajouté un truc au folio. D'accord. Maïs du monde.
Donc on a le CD. On a un gant. Il nous manque encore le truc du style ADN là. Ça c'est quoi ça? Il y a un bouton là. Ah non. Mais c'est quoi cette caisse là? Elle est bizarre, elle brille. Ah, par là on n'a pas été encore. Ah, un tracteur. Alors j'avais une pince, ça va peut-être me servir à quelque chose. Voilà. Mais à quoi? On va essayer d'ouvrir la porte et puis je vous laisserai là-dessus. Voilà, c'est là où je voulais aller. On va voir si on peut déjà mettre ceci. Ça, c'est sûr. Le gant. Le gant, on ne peut pas. Et là, j'ai rien pour ça. Quand même vérifier plusieurs fois parce que... Non, on n'a rien d'autre. Ce jeu, il est pas mal. Il faut le tester pour voir. Il est fluide. Bon, il y a quelques petits lags à des moments. Mais je pense que c'est parce que ça charge des choses. Sûrement pour ça. Mais sinon, il est quand même pas mal optimisé. Après, je ne sais pas si ça passe avec toutes les cartes. Parce que Unreal Engine, si c'est mal optimisé le jeu, ça demande beaucoup de ressources. C'est quand même une sacrée usine à gaz. Donc à voir si ça passe chez vous. Voilà. Bon, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao !